Oui, je pense que c'est un lien qui date de l'origine de la bioélectronique. Et la bioélectronique s'est construite sur l'importance de la qualité de l'eau et la qualité de l'eau qui est fondamentale puisque tous nos métabolismes se font à partir de l'eau. Sans eau, les métabolismes se grippent et ils ne peuvent pas. La digestion ne fonctionne pas bien, les éliminations ne se font pas comme il faut. Et beaucoup de personnes, tout simplement, tombent dans la maladie. Tout simplement parce qu'ils sont plus ou moins déshydratés, en particulier les personnes âgées. Les personnes âgées sont déshydratées, on le sait pertinemment, puisqu'ils deviennent secs. D'abord, ils sont entartrés, parce que les éliminations ne se faisant pas raisonnablement, bien sûr, ils accumulent à l'intérieur d'eux-mêmes des foules de toxines et de toxiques, des métaux lourds, etc., qu'ils n'arrivent pas à éliminer, tout simplement parce que pour éliminer, il faut de l'eau. Et il faut faire fonctionner les émonctoires, que ce soit le foie, que ce soit les reins, que ce soit la peau. À partir de l'eau. Les gens qui ne transpirent jamais, par exemple, ce sont des gens qui sont coincés. Ils ont tout le fonctionnement des 2 millions de glandes sudoripares qui ne fonctionnent jamais. Alors évidemment, ils gardent à l'intérieur une multitude de toxines qui pourraient éliminer s'ils transpiraient un petit peu plus. Alors, Louis-Claude Vincent, le créateur de la bioélectronique, il a été, je dirais, génial parce qu'il a compris au départ, dans les années 1928, jusqu'en 1935, l'importance de la qualité de l'eau, puisqu'il s'est rendu compte lui-même, en tant qu'ingénieur hydrologue, eh bien qu'il suffisait de mettre une adduction d'eau dans une commune et toutes les maladies microbiennes disparaissaient, diphtérie, choléra, tétanos, etc. Toutes ces maladies qui sont véhiculées par des bactéries. Et au contraire, est apparu, quelques années plus tard, d'autres maladies qui étaient totalement inconnues. Comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, qui sont de plus en plus importantes, tout simplement parce qu'on a transformé la qualité de l'eau et on a modifié le terrain de la personne en apportant une eau qui était l'une avec des caractéristiques qui favorisaient plutôt les microbes et l'autre plutôt les maladies qui favorisent la dégénérescence. Et actuellement, l'eau d'adduction, l'eau du robinet, comme on dit, elle a des propriétés qui ne sont pas biocompatibles. Alors, un terrain est défini par la bioélectronique comme étant la résultante des mesures de pH et de potentiel d'oxydoréduction. Le terrain acide et réduit amène un potentiel qui est très chargé en électrons et très chargé en protons. pH plutôt acide, RH2 plutôt réducteur. Et là, il y a une force de vitalité qu'on va trouver qui n'existe pas ailleurs. Donc la source de la vie, la fécondation d'une femme et d'un homme avec un ovule et un spermatozoïde pour créer un joli bébé se fait dans un milieu particulier qui est porteur de vitalité avec création, bien sûr, de la gestation d'un bébé qui se fait en 9 mois. C'est extraordinaire la vitalité qu'il crée. Mais ceci se fait, le bébé, il est dans l'eau. Il est dans le liquide amniotique, mais il est nourri par la maman. Et plus la maman aura d'un potentiel bien particulier, plus le papa aura un potentiel particulier sur le plan bioélectronique, plus ils seront féconds, et par conséquent, plus ils auront un bébé magnifique, porteur de santé et de vitalité. Au contraire, si l'un et l'autre n'ont pas des caractéristiques bioélectroniques bien particulières, satisfaisantes et porteuses de vitalité, eh bien, le bébé sera plutôt chétif, plutôt malingre, plutôt maladif. Et par conséquent, on dira toute sa vie, mais pourquoi il a tellement d'allergies? Pourquoi mon bébé, il est toujours malade? Mais parce que eux-mêmes, les parents, les géniteurs, évidemment, n'étaient pas dans des conditions les meilleures possibles. Et c'est pourquoi il est important, si vous voulez, de préparer une gestation, de préparer la venue au monde d'un bébé en prenant des précautions. Et le papa doit être très réduit sur le plan bioélectronique et la maman doit être différente. Pour qu'il y ait l'étincelle de vie, il faut que diamétralement opposé au pH, il y ait cette faculté pour créer justement ce bébé. Donc tout ceci se fait dans le milieu de l'eau. Et c'est pourquoi Louis-Claude Vincent, au bout de quelques années, il a pu développer tout ceci et se rendre compte, bien sûr, que c'était important. L'eau biocompatible, ou un aliment biocompatible, c'est un aliment compatible avec la vie. La vie, elle est caractéristique. La vie a ses lois, disait Louis-Claude Vincent. La vie a ses lois, c'est elle qu'il faut apprendre, appliquer et enseigner pour que la santé se développe et se répande sur Terre. Ce n'est pas en neutralisant les lois de la vie, ce n'est pas en contrariant les lois de la vie.
Nous avons dans la société, pour qu'elle soit harmonieuse, des lois de politesse, des lois de code de la route, et on doit respecter ces lois. Si on les respecte, il n'y a plus de problème. Tout se passe pour le mieux, dans la meilleure harmonie possible. Pour le plan de la santé, c'est pareil. Si on suit les lois de la santé, les lois de la vie, eh bien, il n'y a plus de maladies possibles et on a les caractéristiques bioélectroniques de la santé qui ont pH 7,2, RH2 21, résistivité 210 ohms. Alors là, les microbes, les virus ne peuvent pas s'implanter. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce que le système immunitaire de l'être humain est suffisant pour pouvoir se défendre tout seul. Et à ce moment-là, bien sûr, ça dépend en grande partie de l'eau. Alors, les critères bioélectroniques de la qualité de l'eau, c'est le professeur Vincent, mais aussi le professeur Joseph Orszag, qui a pu le compléter et se rendre compte que c'était totalement vrai. C'est une eau avec un pH légèrement acide, donc légèrement acidulé, dans le premier cadran, dans le premier terrain. Une eau peu oxydée, un petit peu, mais pas beaucoup. Elle est chargée d'oxygène, bien sûr. Et une résistivité, alors, très étendue, donc ça veut dire avec très peu de minéraux. Les eaux les meilleures possibles sont des eaux qui vont drainer le sang, qui vont permettre l'élimination des toxines par l'urine, par la peau, par les poumons, puisque nous expirons aussi de la vapeur d'eau quand nous respirons, quand nous faisons du sport, on élimine de la vapeur d'eau aussi. Donc il y a tout un phénomène, le corps est une éponge qui est en relation avec le cosmos et avec l'environnement, mais c'est une éponge qui doit être hydratée. Si elle est sèche, évidemment, elle devient inerte et proche de la mort. Alors, les trois critères, c'est résistivité, donc très peu chargée. Où sont ces eaux de qualité supérieure ? Uniquement dans des terrains granitiques, dans le massif armoricain, dans le massif des Vosges et dans le massif, en particulier, certaines régions des Pyrénées. Là, vous avez... Et curieusement, c'est dans ces régions qu'on a le plus de sources dites miraculeuses. Et ça, c'est Jeanne Rousseau qui l'a découverte. Et après, le travail de Louis-Claude Vincent pour définir, avec les critères dont j'ai parlé, les qualités de l'eau, eh bien, Jeanne, avec son appareil sur le dos, dans son sac à dos, elle est allée voir les sources dites miraculeuses pour vérifier si elles étaient avec des caractéristiques bioélectroniques particulières. Et là, elle a pu démontrer que c'était vrai. Les eaux de torrent dites de Lourdes, qui sont bien sûr dites miraculeuses à Lourdes, mais aussi les eaux de Font-Romeu, mais aussi les eaux du Massif central, genre dans le Limousin. Elle y est allée, elle a mesuré, ben oui, les gens qui venaient s'hydrater quand ils étaient malades dans ces eaux et qui repartaient avec une santé améliorée, évidemment, ce n'était pas le hasard. C'était tout simplement parce qu'elles avaient des coordonnées bien particulières. Les sources sont orientées vers le soleil couchant. Les sources sont dans un terrain granitique. Et puisqu'elles sont dans un terrain granitique, toutes les eaux qui ont été, bien sûr, répandues par les nuages, se sont imprégnées dans le sol. Un sol granitique, elles seront donc peu chargées de minéraux. Elles auront quand même un minéral précieux, la silice, qui sera très porteuse de vitalité, et puis elles vont drainer, bien sûr, et ces eaux, il n'y en a pas beaucoup, il y a le Morocous, il y a l'eau de Vallon, il y a l'eau de Montcalm dans les Pyrénées, de l'eau de Vallon dans les Vosges, etc. Je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, ces eaux. Et ensuite, les eaux du robinet, elles sont alcalines, surchargées en minéraux, elles sont suroxydées grâce, et malheureusement à cause de l'oxydation apportée par le chlore en particulier. Autrement dit, elles sont totalement incompatibles avec la vie et elles sont à la source, bien sûr, de des problèmes. Autrement dit, si on veut vraiment résoudre le problème de la santé, le premier critère, c'est de s'attacher à donner à la population une eau de qualité exceptionnelle et ça passe bien sûr par une filtration de l'eau. Et il faut que tout le monde reçoive un appareil d'osmose inverse, par exemple, ou un appareil de filtration à son robinet, pour boire de l'eau. Parce que l'eau du robinet, j'ai le regret de le dire, elle est surchargée en nitrate, en métaux lourds, en pesticides, etc. Elle est impropre à la consommation. Il faut la purifier. Si on veut qu'elle-même, cette eau, puissent nous purifier nos humeurs. Sinon, elles vont entartrer encore un petit peu plus et favoriser les cancers du côlon, favoriser les cancers de la vessie. Donc, c'est une solution
très simple à faire, donner à chaque personne, à chaque famille, la possibilité d'épurer son sang ou d'épurer son eau, ce qui permettra d'épurer son sang, ou bien alors de donner, bien sûr, de l'eau en bouteille, ce qui est une solution qui n'est pas entièrement satisfaisante pour les grandes familles, par exemple. Ça coûte quand même relativement cher. Mais le filtre, il est vite amorti. Hein, un filtre d'osmose inverse, ce n'est pas si coûteux que ça. Donc avec ça, on peut entretenir la santé, Rodolphe, je te le garantis.